السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذة المستوى السادس دائما مع كتاب Mes apprentissages en français. La leçon d'aujourd'hui en grammaire, l'objectif de la leçon est pronominaliser. Ça vient du nom pronom. Pronom yani damir. Pronominaliser quoi? Les compléments du verbe. On sait bien qu'une phrase se compose de verbe. La phrase se compose de verbe. Sujet, verbe et complément. Donc, pronominaliser les compléments du verbe. Avec le complément, qui peut être soit un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet direct, comment le remplacer par un pronom? Qui fait que nous avons un pronom. La pronominalisation des compléments du verbe. Les compléments du verbe, on a dit que qu'on a un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Les pronoms que je peux utiliser, je nomme le, la, les. Ce sont des articles. C'est parce que nous avons un nombre des articles. Bien. Par exemple, lorsque je dis le professeur explique la leçon. On a le sujet ou le professeur. Par quoi je peux remplacer le professeur? Par il. On a il. C'est parce que nous avons appelé pronom, la conjugaison, c'est un pronom. Donc, il, sujet, c'est un pronom, sujet. Professeur, c'est un sujet. A autre professeur, il, donc, je ne sais pas si vous avez dit, pronom. On va voir, on a fait la leçon d'aujourd'hui, qui fait le, la, les homa des articles, qui est le bout d'or de pronom, t'aoudo, kalima. En, me, te, lui, nous, vous, leur, et grec. Ce sont tous des pronoms. Ils jouent le rôle du pronom. D'ailleurs, il y a d'autres dire pronom, mais il y a le complément, qui peut être soit complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. Donne une phrase avec un complément d'objet direct, COD, une phrase avec un complément d'objet indirect, COI. Bien. Le maître explique la leçon. Le maître fait quoi? Le maître explique la leçon. Le maître explique quoi? Le maître explique la leçon. Donc, il a l'ahdana, la leçon, pour la trouver, j'ai posé la question avec quoi? Bien. Le maître explique quoi? La leçon. Mais n'y qu'un traçou elle, quoi? Ou là, qui? Il s'agit de complément d'objet direct. Mais quand on parle à qui, de qui, à quoi, de quoi, par exemple, Leïla parle à qui. Même si tu parles Leïla. Leïla parle à Zineb. Complément d'objet indirect. C'est parce que quand je suis en 4e année, 5e année, je suis en 4e année, je suis en 5e année, je suis en 5e année, je suis en 7e année, le pronom, pardon, le complément d'objet, il a quand même le nom. Une préposition, c'est indirect. Pourquoi indirect? Réel moubachir. Hena, genre moubacharatan m'bad le verbe, ou hena, réel moubachir. Kéna, ou hal préposition, bin, zinb, le complément, ou le verbe. Majaouch, m'lasrin moubachara, là, kéna binatum, complément, préposition, avec chérish en simio, complément d'objet, indirect, réel moubachir. Machin moubachara, là, le verbe. Bien. J'observe et je découvre. Là, on a quelques phrases. On a un jumel. Nous savons bien. Les habitants soukan nettoient leur quartier. Les habitants nettoient leur quartier. L'ardosora, sekina, yonadifona, hayam, mezien. Les habitants le nettoient. Sekina, tu n'as défaut, ho. On a remplacé leur quartier, hana, haya, ma pratch anna fla deuxième phrase, hanaya. Ou la lahna, le sens met bittelch. Pourquoi on parle toujours des mêmes habitants, t'andra nefs soukan, nefs le fi'l tiqomoubi, ou nefs le makan. Ghir hana, stamelt l'expression leur quartier, hayaoum, ou hana, je l'ai remplacé par le. Deuxième phrase,
Nous valorisons cette initiative. نحن نقيم أو نثمن cette initiative. هذه المبادرة أو هذه البادرة الطيبة. Nous valorisons cette initiative. On l'a remplacée par la. Vous l'avez la phrase. Nous la valorisons. Nous la valorisons. Donc là, عودت cette initiative. Cette fille ressemble à ta sœur. هذه الطفلة ressemble, تشبه, à ta sœur. أختك. Cette fille lui ressemble. عودنا à ta sœur, mais lui. Les volontaires, المتطوعون, ramassent, يجمعون, toutes les ordures. جميع النفايات. Les volontaires les ramassent. Toujours, on garde le même sens. دائما عندنا نفس المعنى. تاج ما تغيرت. فقط لاحظنا ان هذوك لي كومبليمون اللي مسطرين تحتهم عوضناهم بهاد لي زيكسبرسيون هاد لي برونون اللي مكتوبين بالاحمر. لاسوسياسيون دون دي كادو ا تو سي مومبر. الجمعيه دون دي كادو اعطت هدايا ا تو سي مومبر لجميع اعضائها. لاسوسياسيون لور ان دون. Les membres, aoudna, bleur. Les cadeaux, aoudna, en, donne. Le sens de la phrase, matibdlch. Dernière phrase, ils pensent régulièrement aux actions qu'ils vont mener. Yufakiron, régulièrement, bistimrar, daouman, aux actions, tasarrufat, ou la mubadarat, ou la hamalat, qu'ils vont mener. Lati, ça y est, comme on a bien. Ils pensent régulièrement. Fashifkron. Fait les actions. Elles y pensent. On a remplacé aux actions par Y. Elles y pensent régulièrement. Il faut qu'elles ont la bière. D'abord. Non. L'ahna, non. On a remplacé les compléments d'objets par des pronoms. L'imktoubim l'hamar. Le sens de la phrase matbitach. On passe au je manipule et je réfléchis. Que remplace le dans la phrase A? Prenons la phrase A. Les habitants nettoient leur quartier. Les habitants le nettoient. Par quoi que remplace le? Donc, le remplace le quartier. Le quartier, ou bien leur quartier. Bien. Deuxième question. Dans la phrase des, par quoi est remplacée toutes les ordures? Dans la phrase des, par quoi remplacer toutes les ordures? Toutes les ordures remplacées par les. Les. Troisième question, que remplace la dans la phrase B? La remplace cette initiative. Nous valorisons cette initiative. Cette initiative. L'initiative. La remplace cette initiative. Quatrième question, que remplace lui dans la phrase C? Lui remplace ta sœur, à ta sœur. Cette fille ressemble à ta sœur. Remplace à ta sœur. Cinquième et dernière question, que remplace en dans la phrase E? En remplace quoi? Remplace des cadeaux. Des cadeaux. L'association donne des cadeaux. On a remplacé des cadeaux par on. Donne des cadeaux à qui? À tous ses membres. Ses membres, on a leur. Bien. On passe à la règle, je retiens. Les pronoms personnels. Complément d'objet direct, c'est en T. Remplace des noms, تعودوا اسماء كلمات ou groupe nominal ou مجموعة من الكلمات. Complément d'objet direct, ils répondent à la question qui ou quoi. من اللي كيتعلق الامر كما سبق لي قلت لكم ب complément d'objet direct, COD, je pose la question par qui ou bien quoi. Le professeur explique quoi, explique la leçon. Donc quoi, donc c'est un complément d'objet direct. Les pronoms personnels compléments d'objet indirect, COI, remplacent des noms au groupe nominal. Même chose, nom au groupe nominal. C'est
OI, complément d'objet indirect. Après des verbes, des verbes construits avec une préposition. Donc, on a le verbe ou on a la préposition. Du coup, on a le complément d'objet indirect qu'on a construit, qu'on a construit, qu'on a construit, qu'on a construit, préposition. Ils répondent aux questions. Si je vois le sual d'ILH, à qui, à quoi, de qui, de quoi. Leïla parle à Zineb. Leïla parle à qui? Leïla parle à Zineb. Leïla parle du, ou bien de la série. Donc, parle de quoi? Parle de la série télévisée, par exemple. Le, la, les, elle, apostrophe, qu'il ne faut pas confondre avec les articles, non? C'est un nom des articles, mais il joue le rôle d'un pronom. C'est un nom qui est au calimat. Remplace des noms, des unions, des choses ou des personnes. Ils sont toujours compléments d'objet direct. Le, la, les, elle, apostrophe, il y a un autre qui est le pronom, il y a un complément d'objet direct. معمرنا ما غنلقاوهم تيعاودوا كومبليمون دوبجي انديريكت دائما كومبليمون دوبجي ديريكت باغ اكزومبل je le connais qui ce garçon je connais ce garçon je le connais donc هنا je connais ce garçon je connais qui ce garçon donc هنا تيعاودوا un complément d'objet direct je la mange je mange quoi je la mange je mange cette pomme lui leur remplace des noms désignant des personnes, ils sont toujours complément d'objet direct, indirect. Donc, Hado, il a qu'un nom direct, complément d'objet direct. Lui, leur, c'est un complément d'objet indirect. Je lui parle. Je parle à qui? À lui, à elle. Pardon. Je leur parle. Je parle à qui? À eux ou bien à elle? Non, le pluriel. Me, te, nous, vous, remplace des noms désignant seulement des personnes. Ils peuvent être complément d'objet direct, complément d'objet indirect. C'est pour qu'on a un nom, complément d'objet direct. Lui, leur, complément d'objet indirect. Et non, il y a le mot, l'adouar du juge. Il y a un complément d'objet direct ou bien indirect. Je vous aide. Qui? Vous. Tu me rends service. Tu rends service à qui? Me, à moi. En, un grec remplace des noms désignant des choses. En, hado, c'est un simple nom pour désigner des choses, pour remplacer des choses. Non, pas des personnes. L'association donne des cadeaux à ses membres. Donc, l'association en donne en. Bien. On passe à la page suivante. Je m'entraîne. Dans chaque phrase, remplace les mots soulignés par le pronom qui convient. Les mots soulignés, je dois les remplacer par le pronom qui convient. Les élèves ont écouté leur délégué. Talamit sami'u délégué. Na'ib dialam. Na'ib. Ordoumaïl bel. Et là, je pose la question. Les élèves ont écouté qui? C'est un complément d'objet indirect. Donc, je dois le remplacer par quoi? Par le, la, les et l'apostrophe. Bien. Délégué. Un délégué. C'est un nom masculin, modakar, singulier, mufrad. Donc, je le remplace par le. Les élèves, le, ont écouté. Had le pronom le, kanondro, qabel, le verbe. L'auxiliaire, nanaya, passé composé. Walakin, deux voyelles qui se suivent, je supprime E, je le remplace par apostrophe. Les élèves l'ont écouté. Le directeur parle aux élèves. Le directeur parle à qui? C'est un complément d'objet indirect. Donc, on a un autre. Lui ou bien leur. On a aux élèves. C'est un nom. Pluriel. Donc, je le remplace par leur. Le directeur leur parle. Il parle de l'examen de fin d'année. Il parle de. La préposition. Il parle de quoi?
de l'examen de fin d'année. Had l'examen, est-ce que c'est une personne? Examen, c'est une chose. Donc, mais je suis personne. Par quoi je peux le remplacer par en? Il en parle, il en parle. Maman achète à ma sœur la poupée qu'elle voulait. Maman achète, chère, à ma sœur les orties, la poupée d'Oumia qu'elle voulait. M'tlomnaad, ma sœur, naoudwa. Bien. Maman achète à qui? Non, c'est un complément d'objet indirect. On a la préposition à. Ma sœur, c'est un nom singulier. Donc, ma sœur, c'est le leur, ensemble, lui. Maman, lui, achète la poupée qu'elle voulait. Deuxième exercice. Souligne le complément d'objet direct dans chacune des phrases suivantes. Puis, remplace-le par un pronom et réécris la phrase. Je note le nom. La première tâche à faire, c'est souligner. Souligner le complément d'objet indirect. Remplace-le, un pronom, et réécris la phrase. Les enfants parlent à leur grand-mère. Les enfants parlent à qui? Leur grand-mère. Donc, lorsque je pose la question avec A, on a la préposition. À qui? Leur grand-mère. Had leur grand-mère, c'est un complément d'objet indirect, singulier, lui. Les enfants, lui, parlent. Pardon, les enfants, lui parle. Le délégué dit aux élèves d'arriver à l'heure. Le délégué dit à qui? Aux élèves d'arriver à l'heure. Had les élèves, il y a le complément d'objet indirect. C'est un nom pluriel. Leur. Le délégué leur dit d'arriver à l'heure. Karim s'adresse à son ami. Karim توجه إلى صديقه، توجه له بالكلام، تحدث مع صديقه، وجه الخطاب إلى صديقه. كريم s'adresse à son ami. كريم s'adresse à qui؟ À lui. Regarde ces photos. Elles appartiennent à des amis africains. انظر هذه الصور. Elles appartiennent, تعود à des amis. Les أصدقاء أفارقة. Regarde ces photos. Il appartient à qui? À des amis africains. Un nouveau complément d'objet indirect. Regarde ces photos. Elles leur appartiennent. Le docteur prescrit ses médicaments. À Tabib Wasafa. À qui? À ses patients. Les mardas. Le docteur leur prescrit ses médicaments. À Tabib Wasafa. Lahum. Leur prescrit. Leur remplace ses patients. Ses médicaments. Leur prescrit ses médicaments. Bien. On passe à la rubrique Je m'évalue. Réécris la phrase en remplaçant le complément d'objet direct par un pronom. Un homme, l'homme, non. Le complément d'objet direct, je le remplace par un pronom. L'école joue parfaitement son rôle. L'école, al-madrasa, joue tel'abou parfaitement son rôle. Tel'abou jayidan dawraha. Dawr de al-madrasa wa talim, al-tarbiya, al-tanshi'a, jayid al-atfal, lil-muta'allimin. L'école joue parfaitement son rôle. L'école joue quoi? Joue son rôle. Donc je remplace son rôle par le pronom le. L'école le joue parfaitement. Le délégué montre l'exemple par une attitude positive. Le délégué, Naïb, montre Adhara, l'exemple, Al-Mithal, Bisulukin, Ijabi, Bisulukin, Jayir. Le délégué montre quoi? Montre l'exemple. Je pose la question. Montre quoi? Ou bien montre qui? Le sens de la phrase, montre quoi? Montre l'exemple. Le délégué le montre par une attitude positive. Le montre par une attitude positive. La phrase c'est tous les élèves disent la vérité. Jamais l'atfal tiqulu l'haqiqa. Tous les élèves la disent. Les élèves disent quoi?
Les élèves disent quoi? Les élèves disent la vérité. Je remplace la vérité par là. Deuxième et dernier exercice, recopie les phrases en remplaçant le complément d'objet indirect par un pronom. On a les compléments d'objet direct. Deuxième exercice, on va travailler sur les compléments d'objet indirect. Il faut montrer l'exemple à ton ami. Il faut montrer l'exemple à qui? À ton ami. Ou à le complément d'objet indirect. Il y a une préposition. Il faut lui montrer l'exemple. Montrer à ton ami, lui montrer l'exemple. Le chef de l'association, Raïs Al-Jamia, transmet un message à tous les membres. يبعث رسالة لكافة الأعضاء. Le chef de l'association transmet quoi? Un message. ولكن هذا complément d'objet indirect. Donc on a le complément d'objet. Complément d'objet direct, pardon. Donc on a le complément d'objet indirect. Donc le chef de l'association transmet un message à qui? À tous les membres. Le chef de l'association leur transmet, leur remplace tous les membres, transmet quoi? Un message. Bien, merci pour votre écoute. غنطلب منكم انه تزيدوا تدربوا مزيان بحثوا على تمارين واخا يكونوا تمارين قدام ديال المستوى الرابع او الخامس على دروس ديال كومبليمون دوبجي ديريكت كومبليمون دوبجي انديريكت غتلقاو فيهم دي فراز خدموا عليهم مزيان. جو فو سويت بون شانس. ميرسي بور فوتر ايكوت اي ا لا بروشين.